Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui Unicode, les encodages et les êtres humains. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette présentation avant de faire la présentation. Comme ça, vous pourrez un peu comprendre ce qui s'est passé. Alors, en fait, j'étais tranquillement en train de regarder un match de foot. J'étais sur le canapé. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer une conf là pour Picon.fr. Je vais parler de l'Unicode, un truc que j'aime bien, je connais et tout. Ça va être la première conf de ma vie où je sais ce que je vais raconter, il n'y aura pas prise de risque, je vais le faire tranquille à l'ancienne, ça va bien se passer. Et là, ma copine m'a dit « Non, mais tu vas pas faire une présentation avec des slides et tout, Guillaume, non, c'est pas possible, sérieusement, il faut pas que tu fasses ça, quoi. Tu vas parler d'un truc, tu vas parler de plein de choses, d'ailleurs, tu vas parler des langues, moi, je voulais juste parler d'Unicode, un petit peu de Python et tout. » Elle me dit « Non, mais tu vas parler de ça, ça va être vachement bien, tu vois. Non, mais oublie les slides, je sais pas, trouve une autre idée. » Fais-les sur papier, parce que quand même le papier c'est vachement bien, faire un truc un peu joli, un peu sexe quoi. Moi j'étais là devant mon match, je dis non écoute, d'accord, ok, on va faire ça, du coup je vais faire un truc assez simple, je vais faire une trentaine de slides et ça va pas prendre beaucoup de temps. Putain mais l'horreur quoi le truc, mais ça m'a pris la vie des rats à finir ma conf, insupportable. Mais quand même, c'est une idée plutôt sympa de parler d'Unicode sur du papier. Donc du coup, voilà, on va parler d'Unicode, on va parler des êtres humains, on va parler des encodages sur papier. Comme ça, ça change un peu. Voilà, alors sur papier, évidemment, il y a des petits problèmes, vous allez voir. Ah, on voit un petit peu quand même, je ne sais pas si vous voyez. Heureusement, les autres slides, elles sont un peu mieux. Mais je vais vous parler, en fait, déjà, ça commence super mal. Je vous ai vendu Unicode, les êtres humains, les encodages. En fait, on va faire dans un autre ordre. On va faire d'abord les êtres humains, parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus compliqué. Après, on va faire les encodages et après, on va faire Unicode. Comme ça, je vais faire un petit peu dans l'ordre chronologique, ce qui va rendre le truc un peu facile à comprendre. Parce que sinon, déjà, c'est bien assez compliqué comme ça. Vous avez vu juste sur la présentation d'avant que c'est pas la joie. Donc, je vais pas non plus parler de technique. Je vais juste parler des êtres humains. Et déjà, rien que ça, c'est beaucoup plus technique que Python et que les encodages directement dans les ordinateurs. Voilà. La chose que je me suis dite aussi, au fur et à mesure que j'inventais ma présentation, je me dis, bon, en fait, ça ne va pas le faire, il va falloir vraiment que j'ai l'aide des gens. Et du coup, on va faire un truc super simple. Il y a une slide sur trois. C'est vous qui allez parler, parce que moi, je suis un petit peu fatigué d'avoir cette présentation. Du coup, s'il y a des gens qui veulent parler, qui veulent poser des questions, c'est avec plaisir. Sinon, je serai super méchant, je vais désigner des gens au hasard, presque au hasard. Et voilà, donc si vous êtes dans un coin de la salle en train de dire pourvu que ça tombe pas sur moi, vous êtes sûr que ça va tomber sur vous, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, comme ça vous êtes prévu. Puis comme ça, on va aussi réviser la table de 3. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas révisé la table de 3, c'est le moment ou jamais. On va apprendre la table de 3 ensemble et la slide d'après, donc c'est la slide numéro 3. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous qui allez parler. Alors c'est facile, la première slide sur laquelle vous allez parler, c'est une petite présentation de qui je suis. Donc, je vais prendre peut-être quelqu'un totalement au hasard. Je ne sais pas, je vais prendre Johan, par exemple. Alors, donc moi, c'est Guillaume Ayoub, en fait. Je suis là, je fais ma conf. Je travaille chez COSEA. On fait des sites internet pour les informaticiens. Alors, je n'aime pas beaucoup dire chez COSEA, je préfère dire à COSEA. Mais je suis vraiment obligé de dire chez COSEA. Je suis obligé par les gens du marketing. Je suis membre de l'AFPI depuis un petit moment maintenant. Ça va faire 4 ans, 5 ans, je ne me souviens plus. Je fais Paris, Lyon, oui, c'est ça à peu près. J'ai co-codé WheezyPrint. Donc c'est un projet qui utilise pas mal la norme HTML. On a refait un navigateur pour faire de l'impression. Et aussi Radical, qui est un serveur de calendrier, CalDAV, WebDAV. Et puis, j'ai le permis de conduire, ça je ne savais pas. Bravo! Bah voilà. Vous voyez, c'est super simple, il l'a fait totalement en pleine impro, là. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Vous levez la main, vous allez vous battre pour parler. Vous voyez, c'est un peu un moment de gloire en plus, donc ça va être plutôt chouette. Voilà. Donc là, si vous avez bien suivi, slide 4, donc vous avez le temps, vous pouvez vous reposer pour l'instant. Je vais vous présenter les êtres humains. Alors, les êtres humains, c'est compliqué. On va prendre une histoire qui est totalement fausse et je vais la raconter d'une manière totalement fausse, donc ce sera une histoire doublement fausse. On va parler de la tour de Babel. Alors au début,
il y a les gens, ils ont voulu construire une tour et Dieu n'était pas super content. Il a dit, bah, pour vous punir, vous allez devoir parler des langues différentes et après vous aurez des alphabets différents et comme ça, ce sera hyper horrible pour votre vie. Et Dieu avait raison, la vie est horrible à cause de ça. Enfin, c'est une richesse aussi d'avoir différentes langues, d'avoir différents alphabets. Mais il se trouve que ça apporte quelques complications qu'on va voir tout au long de la présentation. Vous allez voir que plus ça va et plus ça ne va pas, en fait. Voilà. Donc, les êtres humains ont décidé, si on prend, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord avec cette histoire. Ils pensent plus à la base qu'il y avait des gens qui ont commencé à parler des langues un petit peu différentes selon là où ils étaient, qu'ils ont essayé d'échanger des informations, qu'ils ont un peu tout mélangé. Et ça a donné une sorte de gros gloubi-boulga de plein de langues qui sont toutes un peu proches et toutes un peu différentes, avec des façons d'écrire et de parler qui sont un peu différentes. Et même au sein d'une langue, il y a des gens qui parlent la langue d'une certaine manière et certains d'une autre manière. Je veux pas, évidemment, on est à Toulouse, il y a des blagues faciles à faire là-dessus, que je ne ferai pas parce que je me tiens au code de conduite de l'AFPI. Voilà, donc c'était la petite présentation sur les êtres humains. Donc on arrive slide 5, et là, c'est là où on voit quelques exemples de systèmes d'écriture qui existent dans le monde. Il y en a certains que vous connaissez, vous n'arrivez pas trop à voir, hein, oui, je sais, mais on va faire semblant qu'on voit bien, c'est pas grave. Un peu de français au début, un alphabet latin. Alors après, il y a de l'arabe, il y a du coréen, il y a de l'hébreu, il y a de l'ukrainien. Il y a des choses sympas. Là, il y a des hiéroglyphes qu'on ne voit pas trop, mais on va voir ça plus tard, parce que vous allez apprendre comment marchent les hiéroglyphes. Là, on a du grec ancien. Donc là, c'est écrit Aphrodite. Et vous voyez que ça s'écrit de droite à gauche avec les lettres en miroir. Parce qu'en fait, le grec ancien, il y en a qui l'écrivaient comme ça, il y en a qui l'écrivaient dans l'autre sens, et ça semblait normal à tout le monde de pouvoir écrire dans les deux sens. Il y a même des langues qui commencent d'écrire de gauche à droite, après de droite à gauche, après de gauche à droite, et tout le monde trouve ça absolument normal. Est-ce que c'était une histoire de gaucher et de droitier ou... Alors, c'était pas une histoire de gaucher et de droitier. Il y a des questions après qui arrivent là-dessus, mais en gros, il y a plein de raisons différentes. Quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment une question de droitier ou de gaucher. Et puis, il y en a qui s'écrivent de haut en bas aussi. Oui ? Ah, mais vous êtes super chaud, en fait, là, vous allez... Mais c'est ça, trop... Je n'ai pas à reparler pour le reste de la conférence. Voilà, c'est ce que tu crois, ça. Pour leur culture, le fait de faire de gauche à droite et après de droite à gauche, ça s'appelle un boustrophé, donc... Ouais. Exactement. Voilà, donc là, il y a du chinois... traditionnel et du chinois simplifié, parce que s'il y en avait qu'un, ça serait plus facile. Mais non, il y en a deux. Là, il y a du mandchou, qui est un truc que personne ne parle, plus beaucoup de gens ne parlent. Là, c'est marqué 1, 2, 3, par exemple, mais en lettres. Tous ces systèmes-là d'écriture, donc vous voyez, ils sont très différents, ils ont plein de règles différentes. Il y en a certains où les lettres, elles se touchent, il y en a certains où les lettres, elles se touchent pas. Il y en a certains où on voit que c'est des lettres qui ressemblent un peu aux lettres dont on a l'habitude. Il y en a certains, c'est des gros machins comme ça, là, qui ne sont pas vraiment des lettres, on ne sait pas trop ce que c'est. Bref, on voit très clairement que là, les êtres humains... Là, on n'a pas inventé l'informatique encore, là. Hein. C'était bien, bien, bien avant, et c'était déjà le bordel. Donc, c'est le tout début, les gens commencent à inventer ces règles-là. Il y a plein de trucs qui sont très vieux, il y a des trucs qui sont beaucoup plus récents. Ça, c'est la slide d'après, donc si vous avez bien compté, vous savez qu'on arrive à la slide 6. Et 6, c'est dans la table de 3. Et donc, du coup, la question, c'est... À votre avis, quels sont les plus vieux systèmes d'écriture qu'on utilise encore aujourd'hui ? Le chinois. Bon, l'écriture chinoise. Le chinois. De quoi à peu près ? Moi, je parle pas, en fait. Vas-y, explique-nous. Vas-y. L'écriture chinoise, je crois qu'elle a été unifiée 200 ans avant Jésus-Christ. C'est à peu près cette ordre de grandeur, ouais. Alors après, ça évolue toujours, mais... Elle a évolué, d'ailleurs. Oui. L'unifier sur un si grand territoire, c'était quelque chose de très important. Et même si l'oral n'était pas le même sur les régions, au moins, avec l'écrit, ils pouvaient communiquer au moins administrativement d'une région à une autre. Exactement. Et cette écriture a évolué au cours des siècles. Pardon. Il y en a d'autres qui viennent à l'esprit ? L'hébreu, l'écrit, l'alphabet gréco-latin. Ouais. Et ça, tu sais à peu près de... Il a dit l'hébreu et gréco-latin. L'alphabet latin, l'alphabet grec, j'irais. C'est du moins 1000, j'en suis plus sûr. C'est très ancien. Ouais. Ça date des Phéniciens. Exactement, ouais. Alors pareil, c'est un alphabet qui a pas mal évolué et qui a pas eu sa forme actuelle tout de suite. Mais c'est des alphabets qui sont aussi inventés
premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment des alphabets qu'on utilise depuis super longtemps et qu'on utilise encore aujourd'hui. Après, il y en a eu qui sont plus actuels, mais qu'on a utilisés pendant super, super longtemps. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête. Ouais. Les hiéroglyphes, ouais. Ouais, ça a duré à peu près 3500 ans, pendant lesquels les gens ont utilisé les hiéroglyphes pour stocker l'information, enfin au moins pour la montrer. Et ça a commencé donc il y a super longtemps et on l'utilisait encore justement après Jésus-Christ, on l'a utilisé encore pendant quelques centaines d'années. Donc c'est vraiment aussi un alphabet, un système d'écriture qui a duré pendant super longtemps. Oui. Exactement, c'est à peu près les mêmes époques, c'est même plus ancien. On pense que c'est peut-être même premier système d'écriture qu'on connaît en tout cas. Et ça a duré à peu près la même longueur, un petit peu moins parce que ça s'est arrêté un peu plus tôt que les hiéroglyphes. Mais autrement, c'est du même ordre de grandeur, oui. C'était inventé au 4e millénaire, donc avant Jésus-Christ, donc c'était il y a super, super longtemps. Bon, c'est pas mal déjà, mais vous êtes super. Je suis content là. Vous allez tenir comme ça tout le long, ouais? Ouais, on passe à la slide suivante. Les hiéroglyphes. Alors, là, il y a une pierre de Rosette que vous voyez parfaitement. La pierre de Rosette, c'est la pierre qui a permis de comprendre comment marchaient les hiéroglyphes. Alors, les hiéroglyphes, comme je vous l'ai dit, on utilisait encore ça en 200-300 après Jésus-Christ. Puis, avec le temps, on a juste oublié. Ouais, c'est compliqué avec la lumière. Ouais. Mais on peut pas éteindre là. Si j'éteins là, on n'a plus rien. Bon, on va continuer. On va voir si on peut améliorer les choses. Donc, il y a la pierre de Rosette qui a permis du coup de comprendre comment marchaient les hiéroglyphes. Et alors, comment ça marche? En fait, on a le même texte qui est écrit en deux langues avec trois alphabets différents. Et ça a permis du coup de pouvoir se pencher sur la question et se dire est-ce qu'on peut trouver une solution pour arriver à comprendre comment ça marche. Il y a des gens qui ont réfléchi pendant super longtemps et ils ont réussi à trouver comment ça marche. Alors vous allez vous dire, c'est quand même bidon qu'on ait mis genre 2000 ans à essayer de déchiffrer des caractères qui sont quand même des oiseaux et des trucs. Enfin, ça a l'air quand même super simple comme ça. Et donc du coup, on va prendre un peu les bases des hiéroglyphes pour essayer de comprendre comment ça marche. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est hyper compliqué et que c'est quand même pour ça qu'on a mis vachement de temps à retrouver comment fonctionnaient les hiéroglyphes. Donc, on va prendre le premier exemple. C'est trois exemples-là qui expliquent trois modes de fonctionnement parce que les hiéroglyphes ne sont pas utilisés toujours de la même manière. En français, quand on a un A, ça fait très souvent quasiment toujours A, même si des fois, ça ne fait pas A. Les lettres, elles se comportent à peu près toujours de la même manière. En égyptien, il y a trois grosses manières d'utiliser les hiéroglyphes. Le premier, c'est on prend un caractère, un idéogramme, qui va représenter directement ce qu'il veut représenter. Donc là, ici, par exemple, on a ce petit rond-là avec un petit rond au milieu. Ça représente le soleil. Ça se dit Ra. Et on sait que ça veut dire que le... Pas mal. Merci beaucoup. Oh, c'est bien, là. Ça fait un peu intimiste, là. Non c'est... Donc, le petit trait, il veut dire, oui, ce caractère-là, tu ne le prends pas pour le son, tu le prends vraiment pour ce qu'il représente, et donc, ça veut dire le soleil. Et le petit trait, ça veut dire qu'il y en a un, donc là, c'est un soleil, le soleil. Jusque-là, tout va bien, c'est quand même pas très compliqué. Alors, après, ça se complique. Le deuxième système, on va retrouver le premier caractère qui est ici, et là, ce caractère-là, on va le prendre pour le son qu'il fait. Donc, les hiéroglyphes représentent 1, 2 ou 3 sons. Celui-là, il en représente 3. Ça fait 9 re. Je ne parle pas égyptien, donc malheureusement, enfin, l'égyptien des hiéroglyphes d'avant. Donc, c'est pas la peine de me demander comment ça se prononce, mais en gros, ça doit ressembler à un truc comme 9 re. Et derrière, on a une petite jarre et on a 3 petits traits. Alors, cette petite jarre, elle ne se prononce pas. Elle est juste là pour donner un champ lexical. Donc, en gros, on voit que c'est un contenant qui contient quelque chose de liquide. Et neufre, ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire, entre autres, bière. Et donc ça correspond à de la bière. Le premier hiéroglyphe, on le prend juste pour le son qu'il fait. Et le deuxième, avec les petits traits, c'est juste pour indiquer,
En fait, il ne faut pas prononcer ce hiéroglyphe-là, il faut juste le prendre pour le champ lexical. Et donc là, c'est néfré dans le champ lexical de quelque chose de liquide qu'on met dans des jarres, et donc c'est de la bière. Il y a trois petits traits en dessous, ça veut dire que c'est le pluriel. En français, on a un singulier et un pluriel. Et là, on va différencier 1, 2 et plus de 2. Donc 3, ça veut dire plus de 2, donc ça veut dire plein de bière. Ça, c'est plein de bière. Vous retenez bien, ça peut vous servir. Le troisième, c'est un peu plus compliqué, ça marche plutôt comme des rébus. Alors, on va prendre les caractères, on va prendre le son qu'ils font, on va les mettre les uns à côté des autres. L'ensemble des sons, ça va donner un mot. Et ce mot-là, on va lui mettre un petit champ lexical derrière pour pouvoir trouver, avec cette prononciation, à quel mot ça correspond. En plus, dans les rébus, ils aiment bien, les Égyptiens, répéter les lettres, histoire d'être bien sûr que les gens comprennent bien. Donc là, par exemple, on a « ça », là on a « a », là on a « t », et là on a « w », un « ou ». Et du coup, ça donne quelque chose comme « ça tout ». Le A ici, on pourrait totalement l'omettre, mais il y a plein de moments où, pour être bien sûr du son, ils répètent à chaque fois, plusieurs fois les mêmes sons. Je trouve ça sympa. Et il y a le dernier caractère qui est juste là pour donner le champ lexical. Ça correspond à un canal et du coup, ça correspond à toutes les eaux qui vont, toutes les terres qui vont être irriguées et qui vont servir à l'agriculture. Et donc ça veut dire terre ferme, parce que ce mot-là, ça veut dire plein de choses dont terre ferme. Et on sait que c'est terre ferme parce que ça correspond au champ lexical de la terre. C'est clair ? Voilà, vous savez lire les hiéroglyphes, félicitations. Presque. Alors là, c'est de l'arabe. Alors, j'ai jamais écrit arabe, donc je pense qu'il y a, s'il y a des gens qui parlent arabe, ils doivent doucement rire parce qu'ils doivent dire que j'écris soit comme un gamin, soit comme n'importe quoi, mais en tout cas, j'écris pas très bien. La seule chose qu'on va voir là-dessus, il y a deux mots. En fait, le premier, ce n'est pas un mot, c'est le même caractère qui est répété trois fois. Mais en arabe, les lettres ne vont pas s'écrire de la même manière si elles sont au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc, quand ça s'écrit de droite à gauche, la première, c'est celle de droite. Donc ça, c'est un son qui fait « je crois. Et on voit la façon dont on l'a représenté au début. On voit la façon dont on l'a représenté au milieu et on voit la façon dont on l'a représenté à la fin. Et là, on se rend compte que c'est quand même vraiment le bordel. Mais bon, il y a des traits au milieu et on voit aussi qu'il y a une chose qui s'appelle une ligature et que les lettres, elles sont attachées les unes aux autres. Ça, c'est valable non seulement quand on écrit à la main de l'arabe, mais c'est aussi valable dans les écritures d'imprimerie. Ce qui fait que vous allez penser, après, il y a des ordinateurs. Les ordinateurs, ils vont devoir gérer ça. Et les gens qui font les fontes, ils vont devoir gérer ça. Je ne sais pas si vous imaginez le travail qu'il a fallu pour arriver à ce genre de choses, mais bon. C'est un petit peu compliqué. Heureusement, pour nous, c'est plus simple. On va voir ça plus tard, à quel point c'est simple pour nous, hein, tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. En dessous, c'est marqué Paris. Et on voit du coup qu'il y a certains caractères qui sont attachés à la fin. Au début, on voit qu'ils ne sont pas attachés. Donc ça dépend des caractères. Il y en a certains qui s'attachent et certains qui ne s'attachent pas. On voit aussi qu'il y a des petits points. Ces petits points, c'est un peu l'équivalent des accents qu'on va retrouver dans d'autres langues. Ça s'appelle des diacritiques, le terme générique, qui correspond à tous les trucs qu'on met à côté, au-dessus, en dessous des lettres. Et en arabe, ça sert à représenter les voyelles. Alors, ce n'est pas obligatoire, on peut les mettre, on peut ne pas les mettre, mais concrètement, l'alphabet arabe est un alphabet qu'on appelle un abjad, c'est-à-dire un alphabet qui ne contient que des consonnes, et les voyelles sont rajoutées à côté, au-dessus, en dessous des lettres, avec des petits points. On va arriver là-dessus sur la question, parce qu'on arrive sur la slide numéro 9, Et sur la slide... Ah oui, une question avant ? Techniquement, sur ce mot-là, il n'y a pas de diacritique représenté. D'accord. Ah ben, c'est la question que j'aimerais trop avoir. Du coup, s'il y a des gens qui parlent arabe, j'aimerais vraiment entendre parler justement de ça. Ça m'intéresserait beaucoup. Les voyelles, ça ressemble plutôt à des accents. Enfin, il y a différents trucs derrière. Là, c'est juste pour distinguer différentes lettres pour des sons similaires. D'accord. Si tu avais mis... Ça serait N et B. Ok. C'est la différence en Très bien. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter peut-être ? Non, c'est ça. C'est ça ? D'accord. Donc il n'y avait pas de diacritique en fait, donc j'ai dit n'importe quoi. Mais... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose justement par rapport aux voyelles
en arabe, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fasciné. J'aimerais bien comprendre comment dans la tête ça fonctionne, l'idée d'avoir juste des voyelles pour représenter les... juste des consonnes pour représenter les... Oui. L'alphabet arabe se compose de 29 lettres, donc 26 consonnes et 3 voyelles. 3 voyelles longues, comme le OU, le A et le I, donc prolongé. Les autres voyelles, le O, le A et le I, court, sont représentées par des signes diacritiques, soit un petit virgule qui se met au-dessus, soit un petit pas qui se met au-dessus, ou un petit pas qui se met en-dessous. D'accord. Merci beaucoup. On passe à la suite. Donc on va passer à la partie simple, celle que vous connaissez, celle que vous attendez. L'alphabet latin. Alors l'alphabet latin, on a tous l'habitude, on sait que c'est super simple, et là je vais vous démonter votre rêve, en fait c'est le pire truc qui existe. Les gens qui ont inventé ça, c'est des psychopathes. On va voir des choses, déjà dès le début, il y a un truc qui est super bizarre, donc là il y a plein d'exemples, c'est le même alphabet, c'est les mêmes lettres, les mêmes choses représentées, et on voit déjà tout de suite que c'est hyper différent. Quelqu'un qui veut apprendre, qui n'a jamais vu l'alphabet latin de sa vie, on lui explique que ça c'est la même chose que ça, que c'est la même chose que ça, que c'est la même chose que ça, et que quelqu'un qui est allé à l'école et qui a 7-8 ans en France, il est capable de à peu près retrouver les lettres dans tous ces trucs-là, la personne elle ne vous croit pas, c'est juste pas possible. La première chose... on voit déjà qu'il y a des majuscules et des minuscules. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de majuscules, pas de minuscules. Et là, on a des majuscules et des minuscules. Le même caractère, on va le représenter de deux manières différentes. Et selon le contexte, dans les mots, selon si on a envie, pour faire joli ou pas joli, on va décider de mettre des majuscules, des minuscules. Ce qu'on appelle une écriture bicamérale, une écriture où il y a à la fois des majuscules et des minuscules. Chose qui n'existe pas, par exemple, en arabe. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir qu'entre... des caractères d'imprimerie qui sont en haut, par exemple. Et puis, ce qu'on apprend à l'école qui est ici, des belles lettres anglaises, du cursif, c'est absolument pas la même chose. On dit, oui, c'est à peu près pareil, mais si vous regardez le B, par exemple, qui est là, et si vous regardez le B des caractères d'imprimerie, vous vous rendez compte que c'est quand même des choses qui ont strictement quasiment rien à voir. Et en gros, il faut apprendre ces deux choses-là quand on apprend à écrire. Et ça semble totalement naturel, mais c'est une chose qui est quand même hyper compliquée. Il y a des choses aussi, dans l'histoire, ça a beaucoup évolué. On a eu différentes formes, selon les endroits, selon les années, enfin selon l'époque. On a décidé d'écrire des choses d'une manière ou d'une autre. Dans l'imprimerie aussi, ça a changé énormément de choses. On a eu différents types d'écriture. On a par exemple inventé l'italique. C'était fait à la base pour raccourcir la taille des textes et donc du coup pouvoir faire des bouquins qui coûtaient moins cher. Et c'est vraiment quelque chose qui a été purement inventé pour gagner de la place. Et c'est des alphabets qui sont différents, avec des formes qui sont différentes. Les caractères ne sont pas juste penchés, ils sont aussi dessinés d'une certaine manière. Dans les choses qui sont aussi bizarres, il y a des petits empattements sur certaines fontes. Donc là, vous voyez par exemple sur Garamond, il y a des petits traits en bas et en haut. Les fontes avec des empattements, on appelle ça des fontes sérif, et des fontes sans empattement, on appelle ça des fontes sans sérif. Et c'est des choses qui sont aussi qui existent pour l'alphabet latin, qui n'existent pas pour d'autres alphabets où en imprimerie on ne va avoir qu'une seule forme. Toutes ces choses-là, ça montre quand même qu'on a l'habitude d'un alphabet qui a l'air d'être relativement simple, et en fait c'est pas du tout vrai. L'alphabet est super compliqué. Et avant de dire que les gens qui écrivent du chinois, ils sont fous parce qu'ils écrivent du chinois, on pourrait se dire que nous on a appris ça et qu'on trouve ça relativement simple, et que pour les Chinois ça ressemble à du chinois pour nous. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée quoi. Voilà. Tout va bien jusque-là ? C'est bien. Là, on va voir les différents supports. On va faire un petit tour rapide parce que je vois que je prends un petit peu de temps. En gros, tout au long de l'avancement, on a eu différents supports qui ont varié du tout au tout. On va en voir certains. Donc, on va retrouver nos petits hiéroglyphes au début, là. Donc, là, vous avez vu depuis tout à l'heure. Donc, ça, c'est plutôt généralement, on met ça dans de la terre ou dans de la pierre et c'est gravé. Et après, on voit que à des moments, ça a été également peint. Après, bien après, un autre support qui est totalement différent, sur du papier, on a réussi à rendre le système d'inscription automatisable, ou en tout cas répétable. On invente l'imprimerie et on arrive à des représentations qui sont totalement différentes. Le fait d'avoir un support avec des pages, ça change totalement la façon dont on représente l'information.
On voit ici, par exemple, qu'on a des colonnes, que les colonnes, elles sont bien régulières. On voit que le texte est justifié, c'est-à-dire que à gauche et à droite, on voit bien la délimitation. Et on voit que le système de page, il impose du coup de réfléchir à comment est-ce qu'on va couper les lignes, comment est-ce qu'on va couper les pages. Et donc, il y a tout un système d'inventions qui vont arriver autour, de réflexion sur quelles sont les manières les plus jolies pour arriver à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas avant. Par exemple, pour les hiéroglyphes, il y avait des problèmes de place aussi, mais on écrivait de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas. C'était surtout fait pour faire joli. Là, on a mis des règles qui sont très importantes et on se retrouve devant des problèmes qu'on n'avait jamais eu avant l'invention de l'imprimerie. Alors après, il y a eu des écrans d'ordinateur. Et là, on a eu des écrans d'ordinateur avec des lettres qui sont des lettres qu'on dit monospace, c'est-à-dire que chacune des lettres vont prendre à chaque fois la même largeur. Donc ça, c'est une grosse régression quand même, parce que si vous voyez, Gutenberg, il s'en foutait un peu de la largeur des lettres, c'était pas vraiment un ça commençait à être un problème, disons. Mais ce n'était pas le problème comme ça a été au moment de l'invention de l'imprimerie, ou même avant, juste sur la machine à écrire, où là, ça devenait beaucoup trop compliqué à gérer des largeurs de lettres différentes, et on se dit, on va mettre la même largeur sur toutes les lettres, et ça simplifiera pas mal de choses. Et il a fallu pas mal d'années avant qu'on arrive à avoir des fontes qui n'étaient pas monospaces sur des systèmes informatiques. Pendant très longtemps, c'était vraiment toujours comme ça, avec des fontes qui étaient que des fontes monospaces. Et même pas mal de systèmes où il n'y avait qu'une seule fonte qui était possible, parce que le système devait connaître la taille des fontes et fonctionnait uniquement avec peut-être un seul type de fonte qui était d'une seule taille. On a fait quand même des progrès d'ici là. Vous voyez là ? Ouais. Alors là, on va voir deux choses, peut-être, enfin même trois choses, peut-être que vous avez déjà entendu les mots quelque part, mais vous allez peut-être comprendre un truc. Je sais qu'il y a pas mal de gens avec qui j'en discute qui mélangent un peu tout. Donc on va voir trois concepts. Le premier concept, c'est le concept de crénage. C'est ce qu'on appelle le kerning en anglais. Ça correspond au fait qu'il y a des espaces entre les lettres et des fois, il y a des lettres où on a besoin de modifier l'espace normal qu'il y a autour de ces lettres. Donc là, on voit en haut, par exemple, on a L, V et A. On voit que l'espace entre les lettres est beaucoup trop grand. Ça vient du fait que le V, il a une barre comme ça, le A, il a une barre comme ça. Et donc, du coup, on a besoin d'accoler les deux pour rétablir un peu l'équilibre. Ces opérations-là, ça s'appelle le crénage, et les gens qui font des fontes, ils sont obligés de se prendre les paires de lettres et de regarder si ça marche bien. Et quand ça ne marche pas, ils définissent un autre espacement entre les lettres. Et ils font ça pour plein de lettres. Vous avez fait un petit peu de maths, donc vous savez que s'il y a plein de lettres, il y a encore beaucoup plus de groupes de deux lettres et des groupes même de trois lettres. Et donc ça devient vraiment très rapidement totalement l'enfer. Il y a un XKCD qui est super drôle sur le crénage. Une fois que vous commencez à voir ça, vous allez le voir partout et votre vie va être pourrie. Donc là, je viens de pourrir votre vie un peu, mais bon. Les deux choses qui sont ici, c'est deux choses qui sont différentes. Il y en a une qui s'appelle l'anti-crénelage et il y en a une qui s'appelle le hinting. Je n'ai pas trouvé de terme en français. Si quelqu'un a un terme en français, ça m'intéresse. L'anti-crénelage, c'est un système en gros où quand on dessine une lettre, et donc ici c'est un W, on le pose sur une grille de pixels. Et donc sur les pixels, il y en a où ça va tomber pile sur un pixel, le pixel sera tout noir. Il y a sur les bords des lettres, il y a des pixels qui vont être à moitié blanc, à moitié noir. Évidemment, un pixel, on ne peut pas le faire à moitié blanc, à moitié noir. Donc l'anti-crénelage, c'est un système qui va permettre de pouvoir mettre du gris à l'endroit où il y a un peu de noir, un peu de blanc. Et ça donne cet effet qu'il va y avoir en haut, ici, où on a juste déjà la première chose, décidé le tour des lettres et mis les endroits où il y avait les pixels qui étaient purement noirs directement sur les pixels noirs. Ici, on met du gris sur les tours, ce qui fait que ça rend un texte qui est un peu plus flou, mais qui est aussi un peu plus sexy. Sur la troisième partie, quand on a eu des écrans qui sont un peu plus récents, on a des pixels qui sont en fait séparés en trois pixels pour les trois couleurs. Et donc, on va même prendre les tiers de pixels pour pouvoir faire notre anti-crénelage. Ce qui va avoir l'avantage d'être encore plus doux et un peu moins flou. Par contre, ça a aussi le gros inconvénient de pouvoir commencer à mettre des couleurs qui vont apparaître sur le bord du texte noir et blanc. Ce qui est quand même clairement pas terrible. La deuxième chose, ça s'appelle le hinting. Alors le hinting, quand vous mettez votre W, vous pouvez le poser n'importe comment sur votre grille de pixels et du coup, il y a plein d'endroits où il va y avoir des pixels à moitié noir, à moitié blanc. Mais vous pouvez être aussi un tout petit peu astucieux et dire, si je déforme un peu la lettre et que je la fais un peu rentrer, les bords, ils vont vachement plus suivre les bords de mes pixels. C'est-à-dire que plutôt que de la placer entre deux pixels, par exemple, je vais la placer directement le bord du pixel sur le bord de ma lettre. Donc l'avantage que ça a, c'est évidemment qu'on a vachement moins besoin d'avoir cet effet gras qu'on a à gauche là. Comme on a positionné la pointe en haut à gauche du W directement sur un pixel,
il n'y a qu'un seul pixel qui va être noir et pas deux. Le gros désavantage, c'est évidemment que ça va déformer les lettres. Donc c'est, ça va donner un petit peu des effets d'escalier des fois. Vous voyez en bas des lettres, vous avez l'impression que le A il descend vachement bas et que le L il est vachement haut. Ça, ça vient du hinting. Donc tous ces réglages-là, vous pouvez évidemment décider de les choisir, de mélanger les uns les autres selon votre goût. Si vous trouvez qu'il y en a un qui est plus joli que les autres, c'est normal. Par contre, vous êtes sûr que tous les autres gens de la Terre ils vont trouver un autre réglage que le vôtre, plus joli que le vôtre. Donc, il y a eu des guerres de religion incroyables sur les systèmes de savoir c'est quoi le plus joli. La réponse, c'est il n'y a pas de réponse. Voilà. Tout va bien ? C'est l'heure de la question. Donc là, vous avez une liseuse qui est quand même une vieille liseuse maintenant aujourd'hui. Et la question c'est, est-ce que vous avez vu des choses qui parlent un peu des écrans, de ce qui se passe aujourd'hui et qui fait qu'on va commencer à changer la façon dont on rend les lettres? Je pense par exemple, il y a des gens qui parlent d'écrans souples qui permettent de pouvoir avoir par exemple des journaux et pourquoi pas faire carrément la disparition du papier. Il y a d'autres choses qui existent comme par exemple ces liseuses-là qui sont passives, c'est-à-dire que les écrans ils vont consommer de l'énergie au moment où on va changer les pixels blancs et les pixels noirs, mais une fois qu'on a changé, après, ça ne consomme plus d'électricité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé, vous avez entendu un petit peu, qui vous intéressent? Non? Vous êtes en train de dormir? Ah, oui? Non, on se rend compte qu'en fait, les écrans d'ordinateur, de télévision, sont très fatigants pour les yeux. L'intérêt des liseuses, c'est qu'en fait, comme tu dis, ça ne consomme pas d'énergie, c'est qu'en fait, on va juste noircir des bouts d'écran et il n'y a pas de lumière qui arrive dans nos yeux et c'est beaucoup plus reposant. À lire sur ce genre d'outils que sur un écran. Ouais. Merci. Ça vous inspire pas trop, ça. On passe à la suite. Ah. Super d'accord sur le fait que ce soit plus facile à lire. Je sais qu'il y a eu des études sur le fait que la lumière bleue a des problèmes. Mais même la lumière tout court. Hein. La lumière tout court, peut-être direct, sauf que. Lire sur du papier, c'est pas forcément mieux non plus que lire sur une source de lumière qui est éclairée correctement. Si l'écran n'est pas trop agressif, il y a tout un tas de réglages vis-à-vis de ça, simplement parce qu'on voit que les gens qui lisent beaucoup plus sont souvent des déviations de leur vision, et que ce soit sur support papier ou sur support informatique. Il y a aussi des exceptions, parce que je suis gamin, je suis 7 heures par jour pour un PC, c'est super doux. Oui. Juste pour revenir sur l'antiquité de Binging. Oui. En fait, la problématique, en fait, c'est de passer d'un domaine continu du vectoriel, la représentation en courbe des lettres, et de le passer à un domaine discret, qui est la représentation pixel d'un écran. Oui. Après, il y a eu, je ne sais pas quand ça s'est fait, mais il y a eu un changement de représentation, même dans l'échelle, par exemple Linux ou autre. On est passé d'un sprite, une représentation discrète finie d'une lettre, à une représentation C'est une très bonne explication. Et d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des écrans qui aient des résolutions qui soient de mieux en mieux, quoi, qui sont des résolutions de plus en plus fines, ça fait qu'à terme, c'est peut-être même des problèmes qu'on n'aura plus, parce qu'il y aura tellement de pixels, comme sur une imprimante, par exemple. Il y aura tellement de pixels, et d'ailleurs, il y a déjà des écrans Retina, par exemple, sur lesquels on n'a même plus quasiment besoin d'avoir d'anti-crénelage et d'avoir du hinting, parce que la résolution est tellement fine qu'on n'a plus ces problèmes-là de discret, pas discret. Les écrans n'étaient pas basés sur justement des représentations matricielles, mais sur des vectorisations.
segments ou des ellipses. Enfin, j'ai fait une formation en fait en image. Et du coup, le professeur, il parlait, mon prof, il parlait, je ne sais plus comment il s'appelle, l'écran, où il faisait la représentation par des ellipses, des segments d'ellipses. Et tout l'écran était représenté, au lieu d'être des carrés, des pixels ou des vexels, c'était des bouts d'ellipses ou des bouts de discrétisation d'une ellipse. Du coup, la version qu'on a actuellement d'un écran avec des matrices de pixels, etc., c'est juste un choix qu'on a fait dans les années 70, ou peut-être avant. Oui. Merci beaucoup. Juste pour continuer, là, c'était les tout premiers systèmes de CAO, je pense qu'il y a Evans, etc. Et ils commandaient directement le tube de rayon X, enfin le tube cathodique. Oui. Et c'était vraiment du vectoriel, ils dessinaient une ellipse et tout, donc c'était avec l'électronique du tube cathodique qui faisait les dessins comme ça. Oui. Donc le zoom était parfait. Un oscilloscope, ouais. Exactement. Un dernier, puis après on. Juste un peu avant, tu as parlé du fait que l'alphabet latin avait ce truc fou, il y avait des majuscules, des minuscules, donc c'était du bicaméage. Caméral, ouais. Est-ce qu'il y a des gens partout fous qui ont fait du tricaméage, du quadricaméage? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui existent? Je sais pas. Alors oui, il y a même plusieurs alphabets en japonais. Mais qui va pour les mêmes lettres? Oui, pas les katakana et les hiragana. Donc, considérés globalement, c'est comme des minuscules et des majuscules. Oui, c'est mieux. Qui sont utilisés pour écrire des mots qui n'ont pas d'existence propre en japonais, par exemple des noms de famille ou des emprunts à d'autres langues, et les autres sont utilisés pour faire de la décomposition ou des mots de liaison dans la langue japonaise. Et du coup, ils en ont deux ou ils en ont 3, 4, 5 des alphabets comme ça? Il y a avec les kanji qui sont les idéogrammes empruntés au chinois, ça fait 3 alphabets. Mmh. Okay, mais les kanji, il n'y a pas de. 4 en plus. Objection avec. Non. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un merci. Bah, finalement, ça ne vous inspirait pas, mais là, vous êtes super chaud. Là. Je vais m'arrêter de faire ma présentation, vous allez faire ma place. Bon, je vais avancer un peu vite maintenant. En plus, c'est bien parce qu'on va revoir des choses qu'on a vues dans la conf juste avant. Donc, du coup, ça va un peu faire des petits rappels pour vous. On va parler des encodages. Alors, en fait, pour de vrai, en français, on devrait plutôt dire codage qu'encodage, voire même juste code. Parce que code, c'est un mot qui correspond totalement au concept d'encodage. C'est en fait la même chose. Mais je vais dire encodage parce qu'on a l'habitude de dire encodage. Sachez juste que si vous voulez respecter la langue française, vous pouvez plutôt utiliser codage, même si encodage se dit aussi. Alors, le concept d'encodage, on ne va pas le voir d'un point de vue technique, on va plutôt le voir d'un point de vue conceptuel. Alors, en gros, l'idée, vous avez un mot avec des lettres, donc là, qui sont écrites dans un alphabet donné, avec des formes données, on voit qu'il y a un petit accent. Et la première chose qu'on va faire, c'est déjà définir des règles qui vont permettre de pouvoir dire, on ne peut pas tout faire. On va prendre un ensemble de lettres qu'on va supporter. Là, par exemple, on va dire que tout est des majuscules, qu'il n'y a pas d'accent, et du coup, on va transformer un système qui avait plein d'informations, un système qui a moins d'informations, mais qui au moins est normalisé et qui permet de pouvoir dire, voilà, il y a un ensemble fini de choses qu'on peut représenter. Ça, c'est le concept d'un encodage, c'est une façon de représenter quelque chose qui est un signifié d'une certaine manière, et cette certaine manière, ce sera le signifiant. Et on se rend compte qu'en fait, à tous les niveaux, on va reproduire exactement le même schéma. Une fois qu'on a des lettres qui sont normalisées, donc là, si vous vous rappelez un petit peu ASCII tout à l'heure, vous avez des lettres ASCII, vous allez transformer ça en un code binaire avec une table de correspondance. Et de la même manière, vous allez avoir besoin du coup d'avoir un encodage qui est une correspondance entre d'un côté le signifié, de l'autre côté le signifiant. Et de la même manière, à quoi ça sert ce signifié? En fait, ce signifiant va être stocké dans la mémoire. Là, j'ai mis une disquette pour les gens qui se rappellent qu'on avait des disquettes. C'est le système qui représentait, l'icône qui représentait enregistré avant sur la plupart des logiciels. Et on stocke en fait ces binaires qui sont une représentation totalement abstraite, c'est juste des 0 et des 1,
en des choses qui sont totalement physiques, d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur la disquette, c'est pas un flux continu de 0 et de 1. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont dit, on a un disque, on va les stocker de telle manière, avec des trucs qui vont stocker telle chose et telle chose. Et ça aussi, c'est un système d'encodage, puisqu'en fait, on va représenter quelque chose qui est abstrait, qui est juste des 0 et des 1. On va le représenter d'une certaine manière, avec certaines règles, dans une disquette, par exemple. Et c'est en fait la même chose. À chaque fois, on va avoir quelque chose d'abstrait qu'on transforme en quelque chose de concret. Mais l'encodage au niveau général, en fait, c'est l'encodage qu'il y a entre code et les 0 et les 1. C'est ce qu'on appelle communément un encodage en informatique. Et c'est là qu'on arrive à la question derrière. Quand on commence à penser en termes d'encodage, on se rend compte que tout est encodage. Et en informatique, par exemple, on se rend compte que le A, on le représente sous une forme qui est un A avec différentes fontes. Il va être stocké dans différents encodages. Cet encodage, il va être stocké de différentes manières sur notre disque. Et du coup, c'est des encodages d'encodage à chaque fois. Même les lettres, en fait, c'est un système d'encodage. On va dire que soleil, c'est le mot soleil. On va le représenter avec des lettres. Ça, c'est déjà un encodage. Les lettres, on va les représenter sous forme de chiffres. Ça, c'est un encodage. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous viennent à l'idée qui peuvent être finalement des encodages un peu cachés? On ne se rend pas compte que c'est des encodages. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'il y a une table de correspondance. Et en fait, il y a une table de correspondance qui existe. Le langage? Le langage, ouais. Les codes barres. Oui. Mais du coup, c'est ça, c'est des mécanismes d'encodage, de grilles d'interprétation. Exactement. Ouais. Donc, toutes nos sciences quasiment sont un encodage de réalité. J'avais jamais pensé à ça. C'est vachement chouette. Vous avez d'autres idées? Les symboles, la sortie de secours, par exemple. Si on va parler du coup. Oui. À partir du moment où on a un signifié et un signifiant qui est une représentation de ce signifié, les émoticônes, ça rentre totalement dans ce genre de choses. On va en parler juste après, si on a le temps, donc ça tombe plutôt bien. La musique, au final, on est souvent obligé de faire des transformés de Fourier, des trucs comme ça, pour arriver à la ressortir. On a le MP3, on a le FLAC, on a tout ce truc. Ouais. Et à ce sujet-là aussi, pour finir, comme ça on avance un peu, mais il y a même des choses encore pires, je me suis dit. Aujourd'hui, on arrive par exemple à reconnaître du son, donc vous avez une vidéo, vous pouvez sortir directement les sous-titres. Ça veut dire que l'information de la vidéo, elle contient le texte. C'est-à-dire qu'on est capable, de manière imparfaite, mais peut-être un jour ce sera parfait, on est capable de ressortir le texte. Ça veut dire que même une vidéo, au final, c'est une manière d'encoder du texte. Et le texte est à l'intérieur, il faut des trucs hyper compliqués pour arriver à le retrouver, mais on peut peut-être aussi retrouver du texte à l'intérieur des vidéos. Peut-être que finalement, une vidéo, ce n'est pas qu'une forme d'encodage d'un mouvement, ça peut être aussi une forme d'encodage de mots. Ça vous laisse perplexe. On continue. C'est là qu'on arrive aux premiers encodages. Alors, la première chose, je vais aller un petit peu vite là, parce que sinon, non, on ne va jamais terminer. Le premier, c'est le télégraphe de Chappe. Alors, c'est un truc qui est un peu incroyable. En gros, c'est des bras articulés qu'on peut bouger les uns par rapport aux autres. Et ça va permettre de pouvoir envoyer des messages à longue distance. Donc, on met ça sur une colline. On fait différents signes qui vont correspondre à différents mots. Et on va se transmettre de proche en proche. Comme ça, en France, on a eu, par exemple, la première ligne qui a été ouverte de télégraphe. C'était entre Paris et Lille. Et on arrivait en 9 minutes à transmettre un message. Ce qui est quand même plutôt pas mal, quoi. On va un peu plus vite aujourd'hui, mais c'est quand même vraiment chouette, surtout quand on pense que c'est vraiment au lendemain de la Révolution française qu'on met en place ça. Donc c'est quand même un système qui existe depuis super, super longtemps. La deuxième chose, c'est le morse. Donc ça, on connaît un petit peu plus et les gens ont déjà vu ça. Généralement, vous avez déjà vu ça dans votre vie. Alors le morse, par rapport au télégraphe de Chappe, il apporte quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va représenter les lettres et non plus les mots. Avant, il y avait des grands dictionnaires de toutes les combinaisons possibles qui peuvent donner tous les mots possibles. Et c'était des dictionnaires gigantesques. Là, on a juste un tout petit dictionnaire, une toute petite table de correspondance, et ça simplifie énormément de choses. Donc le morse, des points, des traits, et on les fait suivre les uns à la suite des autres, et grâce à ça, on est capable de retrouver du texte.
Troisième, on ne la voit pas très bien, mais c'est la table à ski de tout à l'heure, donc on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un truc de fou. On s'est mis d'accord pour mettre dans un tableau d'une manière nette, claire, précise, différents caractères. Et c'est encore une norme aujourd'hui qu'on utilise. Donc c'est quand même plutôt pas mal quand on pense que c'était les années 60. Il y a peu de normes qui tiennent aussi longtemps finalement en informatique. Les choses qu'ont apporté la table à ski par rapport au reste, il y a le fait d'avoir des majuscules et des minuscules par exemple. Ça n'existait pas avant. Il y a toute la ponctuation aussi, qui est souvent absente des encodages qui existaient avant. Toute la première colonne, c'est des caractères de contrôle. Ces caractères de contrôle, ils permettent de faire plein de choses. Par exemple, si vous pensez pas forcément un ordinateur, mais plutôt une imprimante, il va falloir bouger la petite tête de lecture, il va falloir sauter une ligne, c'est-à-dire faire monter le papier, il va falloir refaire la tête d'écriture à gauche. Toutes ces choses-là, c'est des caractères de contrôle qui vont contrôler. Avant, il y en avait plein. Et maintenant, on en utilise en fait très peu. On utilise essentiellement le saut de ligne. Il y a des tabulations, il y a 2-3 qu'on utilise encore aujourd'hui, mais il y a le caractère nul, par exemple, qui sert historiquement à terminer les chaînes de caractères. Mais voilà, la table à ski, ça a été un truc de fou. Avant, c'était le bordel, mais c'est déjà le bordel depuis longtemps, vous avez vu. Là, ça a été un tout petit peu moins le bordel. Évidemment, il y a tous les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. ASCII, c'est bien à partir du moment où on fait de l'anglais, et même en anglais, on utilise par exemple le E accent aigu dans certains mots, donc déjà même pour l'anglais, c'est un peu mort. Et du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu plein d'encodages qui ont été créés. ASCII, c'était sur 7 bits. On a dit, on va prendre le 8e bit et on va doubler la taille. On va doubler la capacité du coup de ce qu'on peut stocker. Et là, on a stocké pour tous les alphabets différents, enfin pour plein d'alphabets différents, différents caractères, en plus de ASCII. Alors, il y en a qui sont assez faciles à faire. Par exemple, arriver à rajouter les caractères pour le français, ça s'est fait plutôt facilement. Il y en a où ça a été un petit peu plus douloureux, par exemple. Donc, toutes les normes ISO 8859, c'est les normes qui représentent ces alphabets-là, enfin, ces encodages-là qui sont arrivés et qui ont permis de pouvoir représenter beaucoup plus de langues. Donc, le français, c'était relativement facile. On voit qu'en Europe, c'était relativement facile. Après, il y a eu l'alphabet cyrillique. Donc, on avait ASCII d'un côté et l'alphabet cyrillique de l'autre dans les 128 caractères à côté. On a même encodé de l'arabe sur ISO 8859. On a même encodé des tonnes de choses différentes. Et puis, il y a eu d'autres gens qui ont fait, donc, en particulier des gouvernements qui ont fait leurs propres encodages. Il y a eu des entreprises qui ont fait leurs propres encodages. Et évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, tous ces encodages n'étaient pas compatibles entre eux. Ce qui nous amène à la table ASCII, je ne vais pas vous laisser parler parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais concrètement, si vous pouvez réfléchir à la table ASCII, vous voyez qu'il y a, entre les majuscules et les minuscules, il y a toujours le même espacement, ce qui fait que si vous rajoutez un petit bit à un endroit, ça va vous permettre de passer de l'un à l'autre. Si jamais ça vous intéresse, allez voir sur le net, par exemple, comment on arrive à avoir les caractères de contrôle avec un clavier et les lettres qui sont ici, c'est assez fascinant. Regardez aussi les claviers, si vous prenez le clavier de Vorak espagnol, vous allez retrouver les caractères quasiment dans le même ordre. Bref, posez-vous des questions, allez voir cette table d'ASCII, elle contient plein de trucs super secrets que personne n'a jamais... Enfin, si, tout Internet est au courant, mais peut-être pas vous. Donc du coup, allez voir un peu cette table d'ASCII, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle en a l'air. J'en arrive à Unicode. Donc on a vu tout à l'heure Unicode. C'est un consortium de gens qui se sont dit, maintenant ça suffit. On va trouver une solution à ce bordel, on va régler le problème. Ils ont fait un grand tableau avec tous les caractères à l'intérieur et même les trucs qu'on n'aurait jamais imaginé. Des émoticônes, tous les symboles. On a vu tout à l'heure les trucs de mahjong, les dominos, les pièces d'échecs, les cartes de tarot. Enfin, tout ce qui est possible et imaginable, ça se trouve dans Unicode quasiment. Peut-être pas, là, ils ont un peu oublié la touche lecture et la touche pause, par exemple des trucs qui auraient pu être utiles, mais bon, ça c'est secondaire. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui se sont mis d'accord, des entreprises. On a parlé tout à l'heure, Xerox, Apple, qui ont pas mal travaillé là-dessus. Et on est arrivé, avec l'ISO qui faisait aussi un tableau de tous les caractères, à quelque chose en commun qui va pouvoir représenter tous les caractères. Et c'est formidable. Ça, c'est le PDF qui correspond à Unicode 1.0.1, qui est l'unification entre Unicode et la norme ISO, qui était à peu près la même, mais pas exactement la même. Ça date de 91 et le document, c'est juste un scan tout pourri d'une feuille qu'on ne sait même pas vraiment avec quoi c'est tapé. Ça date de 91 et on se dit, mais en fait, ils auraient pu, je sais pas, le faire sur un ordinateur, se l'envoyer avec un PDF. Bon, PDF, c'est 93, par exemple. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'était quand même hyper précurseur. Dans les années 90, au début, on se dit quand même, il faut qu'on résolve le problème et heureusement qu'on l'a résolu à ce moment-là. C'était déjà presque trop tard. Mais bon, on s'en est sorti maintenant aujourd'hui. Utilisez UTF-8 tout le temps, toujours, comme disait Boris tout à l'heure. Ça va vous sauver votre vie. Il y a la petite question justement sur les logogrammes. Alors ça, c'est une question qui est quand même très étrange.
Donc on a vu tout à l'heure les Égyptiens, il y avait le symbole pour le soleil. On trouvait que c'était un peu archaïque et on se foutait un peu intérieurement de leur gueule en se disant quand même, c'est pas terrible de représenter comme ça, on a un peu avancé d'ici là. Et c'est quoi le truc trop dingue qu'on a réinventé ? Mettre des symboles, on va pouvoir envoyer des smileys sur les téléphones et ça va être génial. En gros, on a réinventé ce qu'ont fait les Égyptiens il y a vraiment méga longtemps et on trouve ça super génial. On va pas en discuter non plus parce qu'on a plus le temps. Je sais que vous avez très envie de participer et très envie de discuter de tout ça, mais malheureusement, on pourra en discuter plus tard si vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour terminer, Unicode, comment ça marche ? En gros, il y a un grand tableau. Ce tableau, il est découpé en des choses qui s'appellent des plans. Il y a la majorité des plans qui sont en fait totalement vides. Ça, c'est le premier plan, c'est celui qui contient beaucoup des caractères qu'on peut utiliser en beaucoup de langues. On voit qu'il y a donc 17 plans, mais en fait, il y en a la plupart qui sont vides. On voit qu'il y a 280 blocs, parce qu'à l'intérieur des plans, il y a des blocs qui représentent des groupes. Par exemple, on va avoir latin, on va avoir arabe, on va avoir cyrillique, latin étendu, on va avoir les... Bref, tous ces choses-là, c'est des blocs. Et 280, c'est quand même vraiment beaucoup. Essayez de compter jusqu'à 280, vous allez rendre compte que c'est quand même vraiment beaucoup. Et le nombre de caractères, donc ça c'est le nombre de caractères qui sont stockés dans Unicode 10 et ça évolue au fur et à mesure, il y a toujours des nouveaux caractères. Les encodages, pareil, utilisez UTF-8, il y a une seule chose à retenir, c'est utiliser UTF-8, utiliser UTF-8, utiliser UTF-8, utiliser UTF-8. Comme ça vous êtes au courant. Techniquement, il y a des choses qui sont très bien expliquées sur le net qui vous permettront de pouvoir comprendre comment ça marche. Oui ? Faut utiliser quoi ? Faut utiliser UTF-8. Merci de la précision. Pierre-Yves. Et pour terminer, je vais juste terminer sur une petite chose, c'est la décomposition des lettres, parce qu'on a parlé tout à l'heure des diacritiques, ou même des ligatures, et là on a deux exemples de caractères, donc on a un N avec un tilde, et on a un F, F, I qui sont attachés, qui est une des ligatures qu'on utilise dans l'alphabet latin assez souvent pour les caractères d'imprimerie. Et donc, on comprend quand on est des humains que N avec un tilde, c'est un N avec un tilde. Et dans Unicode, on a le caractère N avec un tilde, et on a aussi le caractère N et le caractère tilde qui peut aller avec les autres lettres, dont le N. Du coup, on peut représenter de plusieurs manières les mêmes lettres, qui sont à peu près les mêmes lettres. Et ces choses-là, c'est quand même un peu pourri, et du coup, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord pour dire est-ce qu'un N avec un tilde, c'est la même chose qu'un N avec un tilde ? Donc on a réfléchi à des systèmes pour pouvoir en gros décomposer les caractères. On va en gros enlever les diacritiques. Et ensuite, on va les mettre dans un certain ordre, ce qui fait qu'on sera sûr de se mettre d'accord sur est-ce que le caractère c'est le bon ou c'est pas le bon. Ça a l'air d'être facile, ça pose des problèmes assez compliqués. En particulier, là, on voit l'exemple, ça c'est un S long, donc c'était un S qui existait dans l'alphabet latin avant et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est équivalent à un S. Et donc du coup, on voit que quand on a une forme où on essaie de simplifier, on va dire qu'en fait, le S et le S long, c'est la même chose. Alors à quoi ça sert ça ? Ça sert à des choses vachement pratiques. Ça fait que si jamais vous avez un FFI dans un PDF, si vous cherchez le caractère F, vous allez trouver le caractère FFI. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Réfléchissez bien à ça. Vous cherchez un N, vous allez trouver le N avec un tilde. Ça, c'est un truc de dingue. Dernière petite chose, il me reste une petite minute, juste par rapport à ça, si jamais vous voulez vous prendre la tête et essayer de vous poser des questions existentielles, vous pouvez vous demander quelle est la majuscule du I avec un point. Donc c'est un I majuscule sans point. En fait, c'est pas vrai. Enfin, pas tout le temps. Si vous voulez aussi vous poser la question de est-ce qu'un O avec un tréma, c'est toujours un O, si jamais on essaye de le simplifier. Si vous avez fait de l'allemand, vous savez qu'on peut plutôt représenter un O avec un E derrière. Comment ça va marcher dans la recherche ? Vous savez pas. Bah, vous pouvez aller chercher sur internet, il y a des choses passionnantes par rapport à ça. Et il y a des gens, c'est leur boulot de réfléchir à ce genre de choses. Hein. Je sais pas si vous imaginez. Mais... En tout cas, on peut leur dire merci parce que moi j'aime bien quand je cherche dans un PDF retrouver mon F quand j'ai un FFI à l'intérieur. Dernier truc, après j'arrête, promis. Des émoticônes, c'est horrible. Le premier, ça correspond à un pistolet et ça a été changé par Apple de tête. Par un pistolet en plastique, parce que les pistolets c'est mal. Ça, c'est un symbole qui est très connu quand on va au Japon, ça correspond aux sources chaudes. Pour tout le reste du monde, ça correspond à un café. Ça, c'est deux hommes noirs qui se tiennent la main. Est-ce qu'on fait rentrer dans Unicode deux hommes noirs qui se tiennent la main ? La réponse est oui.
Mais dans Unicode, il y a des boîtes qui travaillent avec des gens qui pensent que non. Est-ce que ça doit rentrer ou pas ? Exactement. Alors ça, c'est une des choses sur lesquelles on pourrait discuter, parce que c'est une slide qui fait partie des trois. Normalement, on aurait pu discuter de tout ça. C'est exactement une bonne question. L'ambiguïté, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans ce genre de symbole-là. Et c'est aussi une chose qu'on aime bien. C'est-à-dire que combien de fois j'ai discuté avec des gens en ligne, j'envoie un petit caractère, et ça peut tout et rien dire. J'envoie un cœur. Ça peut être juste que je l'aime bien, ça peut être juste autre chose, on ne sait pas, bref. Cette ambiguïté-là, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ces caractères-là, et c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de mal, enfin, on perd du sens, et en fait, on peut aussi se dire que c'est quelque chose qui est recherché, et on peut aussi se demander si finalement, ce n'est pas une évolution de pouvoir avoir cette ambiguïté-là quand on discute avec ce genre de caractère. Bref, la question est large, vous pourrez y penser ce soir en vous couchant, ou demain matin, ou je ne sais pas quand. C'est terminé. Je vous remercie. Ah. Il y a une erreur d'encodage, évidemment, donc vous avez vu. Vous chercherez pourquoi. Est-ce que vous avez... Déjà, je vous remercie parce que c'était vraiment sympa d'avoir participé et d'avoir pris votre courage à deux mains pour pouvoir partager des choses. J'ai appris des tonnes de trucs. J'espère que vous aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.